Comme vous avez pu le remarquer, le cercle a été fait avant de commencer le parcours. Je vous fais remarquer aussi le passage obligatoire entre les clos jaunes que vous voyez disséminés sur le parcours. Je rappelle qu'il ne s'agit pas uniquement de ne pas faire tomber les barres, mais qu'il y a d'autres paramètres à prendre en considération, notamment la position du chevalier, la position de ses pieds, sa tenue. Il y aura des prix aussi par rapport à l'esthétique, le couple cheval-cavalier, la coiffure de la crinière du cheval, le passage obligatoire entre les plots, tout cela est pris en considération dans la note finale. Alors voici le classement de la série S. Première, Alexia Tabet sur Croquette. En deuxième position, Victor Nahoul sur Zenith. Troisième, Sara Samaha sur Hyper. Quatrième, Ria Tadros sur Croquette. Cinquième, Miguel Catoa sur Zenith. Et enfin, Yasma Sabe sur Cavalier. Marie-Diane vient de perdre son étrier et elle décide d'abandonner. Non, je continue. On encourage Marie-Diane. On rappelle que dans cette série Jeunes Poneys, ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes seulement en âge, mais parce que ce sont des poneys qui n'ont pas l'expérience des parcours. Et l'idée, c'est d'être montée par des cavaliers concernés, justement, pour les faire participer à des concours. Donc, quand vous voyez des refus et quand vous voyez ce qui se passe maintenant, c'est dû à l'inexpérience du cheval. Elle n'est plus en concours, mais elle a le droit de continuer jusqu'au bout. Entre-temps, Yasmine Anami et Théa Tabet, préparez-vous. بابا تيار.
pourrait dire pas drôle. Attendez. Je peux inscrire une équipe éventuellement à l'église. C'est quoi le coup? Ça. Non. Je peux te dire quoi, pardon. Donc, pas du tout effectuer cette figure obligatoire qui est le cercle du kilomètre. Je rappelle qu'il n'y a pas de chrono pour donner l'occasion aux cavaliers de travailler plus le style et l'harmonie, sans précipitation et sans vitesse. La trajectoire obligatoire. Donc, là, il va terminer en effectuant un cercle de 10 mètres qui va clôturer son passage. Donc, Laetitia Sino du club de l'année sur Bertani, Laetitia, bonne chance. Donc, effectuer son cercle de 10 mètres. Donc, et évident que leurs instructeurs peuvent s'équiper sur le parcours. Bravo Sarah sur Urina, Riyata de l'Eagle pour Paris. Encore une fois, la présence de l'instructeur sur le terrain est autorisée vu l'âge des cavaliers. Bonjour à qui effectue à présent un parcours sans faute. Nous allons voir le stage au centre pour les pas. Une barre est tombée, donc elle sera pénalisée de 5 points. On va donc aborder l'obstacle numéro 1. Donc le parcours a été interrompu par un besoin pressant de vitesse entre les clous. Donc passage réussite. Très bien, c'est tout, vous allez aborder le. Pas besoin d'en proposer comme dans les concours de tout obstacle. Cynthia va aborder le dernier obstacle. Nous applaudissons donc Cynthia.
Mais Sarah est évidemment en concours parce que son niveau est celui plutôt d'une cavalière confirmée. Elle a quand même raté le passage entre deux tours. Donc c'est intéressant pour les autres cavaliers de se rappeler le passage des tours entre le 5 et le 6. Donc dernier obstacle et 5 cm pour Sarah. Ouais, Bravo. La top 4 numéro 1 français est échoué. Nous applaudissons Rhin et nous demandons à Clara Sunnou sur Tartan, Maria Aitan, Samer Asmat, veuillez vous préparer. Rima Leïlo. On va continuer son parcours avec succès. Tu vas donc effectuer ton cercle de 10 mètres. Bravo. On fait maintenant un cercle de 10 mètres. Voici les résultats de la série. Fadi Khoury en première position. Ram Touma en deuxième position. Priya Kadros, troisième position. Jane Samaha, quatrième. Laetitia Sennou, cinquième. Zara Boujaoudé, sixième. Lara Sennou, septième. Lydia Homsi, 8e, et Basma Al-Nouaï en dernière position. Vas-y. The winner of this category is Karim Hazard. Applaudissements s'il vous plaît. Le deuxième gagnant de cette catégorie est Samer Asmar. Troisième gagnant de cette catégorie, Rama Shamsi Basha.
avec un score de 81,43. Et quatrième gagnant de cette catégorie, Aymad Aribo, avec un score de 76,67. There once was a big brown horse. He loved to run, of course. He'd run right past the finish line, and then he'd run some more. He'd walk, he'd trot, he'd run, he'd gallop and gallop and gallop. He'd walk, he'd trot, he'd run, he'd gallop and gallop and gallop and gallop and gallop. His name was Little Red. Il faut applaudir surtout, c'est le courage des cavaliers d'avoir bien voulu participer. Bravo! Voilà ce que c'était d'être son maman. On applaudit très très fort. He'd gallop and gallop and gallop. He'd walk. He'd trot. He'd run. He'd gallop and gallop and gallop and gallop and gallop. The most exciting day, Little Red would race in May. I'll run for the roses, Dad explained, 2 minutes was all the way. On your mark, get set and go, the horses in a row. But Little Red ran past them all, he won the race and show. He'd walk, he'd trot, he'd run. He'd gallop and gallop and gallop. He'd walk, he'd trot, he'd run. He'd gallop and gallop and gallop and gallop and gallop. Alors, nous allons avoir un dernier participant. Nous attendons qu'il se présente. Alors, Mustapha a son fan team qui court après et avant. On l'encourage, on applaudit très fort. Il n'a que 4 ans. Alors, on va se mettre d'accord. À chaque fois qu'il dépasse un obstacle, on va tous faire « Hola !» Attention, préparez-vous. Hola, hola. 1, 2, hola, 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 what, hola, hola. Je vous laisse faire l'avant-dernier. Ouais, plus fort. Un EPA cette fois. EPA. Bravo, merci Mustapha. Et c'est ainsi que nous clôturons donc la dernière série de ce concours d'aujourd'hui du Hunter.